Alors que le fléau mort-vivant se répand à travers chaque recoin de l'existence, de nombreux mondes, de nombreuses âmes furent perdues, brisées ou oubliées. Beaucoup, mais pas tous. Parfois, je pense à la douleur que j'ai causée, la souffrance que j'ai infligée à tous ceux autour de moi, dans la poursuite de mes plans égoïstes. Ça me rend quelque peu nostalgique. Ah, Rossmann, tant de secrets, tant de couches, comme un oignon. Ce bon vieux Stühlinger, béni par le son de ma voix dans sa tête. Marlton, l'ingénieur, monsieur je sais tout. Misty, cette jeune femme qui s'assurera que leur entreprise soit un succès retentissant. Mon nom est Edouard Richthofen et j'ai essayé si fort de faire les choses bien. 274. Allez, tu dois au moins être un petit peu impressionné. Est-ce que tu sais ce que veut dire silence radio? Tu sais, si toi t'avais fait 274 tirs tête d'affilée, j'aurais été impressionné. Misty! Ouais, silence radio. Rien, sac à verre inutile. Il y a du mouvement. La zone était nettoyée de toute activité de mort-vivant. Ouais, plus maintenant. Ça va envoyer mon record droit en enfer. C'est pas que j'apprécie pas le spectacle, mais un peu plus d'aide serait génial. J'ai parfaitement compris la gravité de la situation. Et je m'emploie à l'améliorer. Allez, c'est bon, la voie est dégagée. Ok, c'était craignos. Tu sais ce qui serait super? Des drones avec des flingues. Tu sais, la considération aérodynamique dans la modification des drones commerciales que nous avons récupérés n'est pas négligeable. Tu sais quoi? Et nous... Je crois que je préfère la bouffe pour chiens domestiques que le reste de cette conversation. Ils arrivaient des égouts et... C'est quoi, ça? Ce genre de mouvement est anormal pour une activité de mort-vivant. Je vais rediriger les caméras pour... Merde! Eh ben zut! T'as un régal pour les yeux, hein? Rossmann n'a pas besoin de cette merde. Mais Rossmann a besoin de ce fichu bouffe, par contre. Il est encore bien nu. Rossmann ne se souvient pas d'être venu par là. Évidemment. La mémoire de Rossmann n'est plus ce qu'elle était. Peut-être... Rossmann sait plus. Aucun monstre pourri voulant un vieil homme ici? Ouais, bon. Tu ne dois pas avoir cette connerie de furtivité, l'ancien. C'est un dîner 4 services pour Rossmann ce soir. Mais pour quelqu'un, en tout cas. Salut, mon pote. Je te tiens, ok? Ouais, Stühlinger, la rescousse, encore une fois. Et maintenant, contente-toi de me suivre. Tu ne veux sûrement pas marcher sur ça, ouais, au fait? Ouais, je sais que c'est dangereux. Rossmann est trop vieux pour ces conneries. Tu étais déjà trop vieux pour ça il y a 30 ans, ça va? Non, mais c'est pas pire que d'habitude. Ouais, je sais bien que le bruit va attirer un paquet de ces bouffeurs de chair. Mais t'avais rien de lui à me proposer, donc pas le choix. Continue de parler à ton ami dans ta tête. Non, j'aime juste avoir des conversations animées, tout seul. Hein? Putain de merde, pas d'autre issue par ici. Les hanches de Rossmann ne se soucient pas beaucoup de l'escalade. Eh ben ça tombe bien! Parce qu'on va pas descendre en escaladant. Ouais. Et on peut pas non plus monter. Oh putain, fils de pute! Yaaaaah! Oh mon dieu, j'ai faim maintenant. Super. Ce serait le bon moment de me sortir un plan, là, voix dans ma tête. Rossmann propose
moins de blabla et plus de dégommage de zombies. Excuse-moi, mais t'avais ce truc depuis le début. Osman est tombé dessus dans la benne. C'est dingue tout ce qui traîne par ici. Ouais, carrément. Faut qu'on aille quelque part où ils ne pourront pas nous suivre. On y est, c'est là. Attends, presque. Osman aurait préféré mourir avec une belle femme. Non. On n'est pas censé mourir ici. Osman ne pense pas que les zombies soient d'accord. Continue de tirer. Ouais, mais il y a bien plus de macabées que de... balles, tu vois. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. C'était pas censé se passer comme ça. On avait un accord, bordel de merde. Osman espère que tu vas t'étouffer avec ça, souffle pourri. Il va se passer quelque chose. Je vais pas mourir comme ça. Je vais pas mourir. Je m'en sors toujours. Osman t'emporte avec lui. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main, les gars. Je vais tenter d'attirer les zombies ailleurs avec le drone. Je te l'avais dit. On n'est pas encore tiré d'affaire, Stu. Cette stratégie est un succès, mais je crois que nous ne disposons pas de plus de temps. Vous avez entendu, Martin? Courez! Peut-être qu'il serait plus sage d'envisager de se replier. Oh allez, encore un et j'atteins les 300. Et je crois que j'ai trouvé le parfait candidat. Osman ne peut pas continuer comme ça plus longtemps. Ouais, bah je te porterai pas, hein. Ce n'est pas une utilisation efficace de tes munitions. Tu sais, Martin, tu devrais vraiment t'amuser un peu plus en travaillant. C'est quoi ce bordel? Impossible. T'as entendu ça? Évidemment que j'ai entendu ça. J'entends toutes sortes de choses. Et maintenant, cours! Remonte-les, on pourra parler du zombie qui esquive les balles plus tard. Nous replier serait sage. Merci du coup de main, Marlentonnet. J'aurais préféré un autre surnom. Et moi, j'aurais préféré pouvoir comprendre le moindre fichu truc que tu racontes. Vous avez de la chance d'être arrivé juste à côté de notre bunker. Ouais, de la chance. Tu penses que c'était autre chose que la chance? C'était le plan. Je t'avais dit qu'il y avait un plan. Si ça c'était un plan, c'en était un sacrément mauvais. Ouais, mais j'ai jamais dit que c'était un bon plan. Il faut que j'active les contre-mesures. Les zombies montrent un comportement plus que inhabituel. Si ça veut dire que les sacs de viande ont l'air beaucoup plus malins, alors Osman est d'accord. Ce zombie a esquivé mon tir! Esquivé, merde! Les zombies n'esquivent pas les balles! Mon ami dit que c'est la prochaine évolution. Et ton ami t'a dit ce qu'il arrive ensuite. Il me dit aussi qu'on a besoin de nous. Le nombre inhabituel de morts-vivants agissant de manière coordonnée est en train de submerger notre système défensif. C'est quoi? Leur chef. On n'est pas censé être là! On a une destinée! On n'a pas à vivre comme ça! On n'aura pas à vivre tout court s'ils passent les portes! Tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer quelques objets pour mon ami et on pourra partir. Mais tous ensemble. Il faut que vous me fassiez confiance. Ouais... non. Osman ne pense pas que de faire confiance soit une bonne idée. Je suis plutôt enclin à être d'accord avec eux. Parle-moi et tire plus! Vous voyez, je vous l'avais dit. On peut pas rester là. Ça sent mauvais. Osman doit recharger. C'était pas mal coordonné pour des actions indépendantes. J'ai fait ce que tu voulais. Je nous ai réunis. Tu vas devoir faire ta part maintenant. Un petit peu d'aide par ici? Enfin! C'est fortuit. Tu vas devoir remercier ton ami pour Osman. On peut y aller maintenant. Parce qu'ils arrivent. Les amis, on y va tous ou on n'y va pas? Mais c'est maintenant. Un jour, il faudra que tu m'expliques comment cela fonctionne. Et c'est reparti pour un tour. Osman veut lancer les dés. Allez, on y va!